qu'est-ce que tu fais là? Je veux faire un café. Non, non, mais c'est pas le moment là, on commence l'émission. Bon bah, ça tombe bien, je bois pas de café. Allez, on y va. Non mais si. Ah, très bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve dans quelques secondes au Primes pour le lancement de ce nouveau numéro de l'avant-match. On y va. Ça y est, c'est parti pour ce nouveau numéro de l'avant-match, l'avant-acte 5, un acte qui peut déjà être décisif ce soir pour le Genève Servette qui s'est procuré 3 POC de match, 3 POC de série lors de la dernière victoire lundi soir au Vernet. Une nouvelle émission qui sera riche avec des interviews, des duplex, des reportages. Merci d'être avec nous, merci d'être à chaque soir plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Twitch. La chaîne Twitch qui, comme vous l'avez peut-être vu cet après-midi, a changé de nom. Nous sommes maintenant la Team Grenade puisque nous avons accueilli avec nous nos amis du Servette Football Club et du Servette Rugby Genève pour vous proposer encore plus de contenu exclusif et en direct pour tous les sports majeurs du groupe Grenade à Genève. Ce programme ce soir, comme je l'ai dit, sera très riche. On va d'abord revenir sur la belle victoire des Grenats lundi soir sur le score de 4-0. Nous aurons des images exclusives des coulisses au cœur de la bulle des joueurs du Genève Servette Hockey Club. Nous serons en interview en duplex avec Fribourg également, avec notre correspondant à Fribourg, Sébastien Tellet. Des cadeaux à vous faire gagner. Et puis une interview évidemment de Daniel Manzato, l'homme providentiel qui est arrivé en cours de jeu lundi soir et qui a permis de garder sa cage inviolée et au Grenat donc de s'imposer sur le score de 4-0. Comme chaque émission, j'ai dit je crois, des cadeaux à gagner, restez bien connectés, soyez attentifs, ça va se passer dans quelques minutes. Lundi soir, cet acte 4, c'était aussi le retour du public dans les stades et les patinoires de Suisse. Les Vernets n'ont pas fait exception. C'était l'occasion pour nous d'accueillir 50 spectateurs. Évidemment, nous aurions bien sûr préféré pouvoir remplir cette patinoire et avoir une ambiance absolument extraordinaire. Malheureusement, la jauge est pour l'instant fixée à 50 spectateurs, ce qui nous a obligés à lancer un tirage au sort pour définir, pour trouver 50 chanceux qui pourraient assister à ce match. Je vous propose tout de suite de suivre Jérémy Rieser qui est allé à la rencontre de ces derniers. Trop frissant et dommage que la patinoire soit vide. Ça fait partie des choses, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bon, bah, c'est une chance hein, de pouvoir être ici. Du coup, alors, on a tiré au sort 50 personnes, 25 VIP, 25 grand public. On aurait bien aimé pouvoir en accueillir plus, mais c'est déjà 25 personnes contentes du grand public, 25 VIP. Pour l'instant, plutôt bien, 1-0. Hein, je pense qu'on est on a bien parti. Malheureusement, le gardien s'est fait mal, on verra. Mais pour l'instant, je suis confiant, je pense qu'on va gagner. Oui, je pense que c'est important parce qu'ils ont besoin d'encouragement et que pour eux, c'est beaucoup plus sympa de pouvoir jouer avec une bonne ambiance. Qu'est-ce qui manque? Il manque la bière, bien sûr. Il manque la bière, la fondue avant le match et de pouvoir être tous... voilà, quoi. Ouais, elle fait du bien, ouais. 3-1 dans la série maintenant. Il n'en reste plus qu'une à aller chercher. Et puis ouais, là, un super match, surtout Manzato qui a bien tenu là. Donc franchement, on est fiers de notre équipe. Et puis, plus que la quatrième. Voilà, on l'a vu, des gens heureux de revenir enfin à la patinoire. Ça faisait longtemps qu'on les attendait. Et parmi ces personnes, ces 50 tirés au sort, j'ai la chance d'avoir avec moi Samuel. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Samuel, raconte-nous un peu comment toi tu as vécu ce moment où le Genève Servette t'a appelé pour te dire que tu pourrais venir au match lundi soir. Bah, j'étais très heureux d'avoir reçu cet appel parce que ça faisait longtemps que j'attendais impatiemment que d'aller retourner à la patinoire. Et c'est vrai, quand j'ai reçu cet appel, j'étais très heureux de pouvoir y retourner. Donc, alors ça m'a fait un grand plaisir. Quoi. C'était un peu spécial quand même de retrouver les Vernets après ces longues semaines. Oui, bien sûr, c'est très spécial parce que toute cette longue absence de patinoire, c'est vrai que c'était long et puis c'est vrai que ça m'a fait bizarre de retourner dans cette patinoire. Mmh. Et finalement, j'ai passé une super soirée. On a senti hein, au niveau de l'ambiance, c'est vrai qu'au début, les gens n'avaient plus l'habitude réellement, puis c'est monté en puissance aussi au fur et à mesure du match. Toi aussi, tu as senti cette envie de supporter l'équipe aussi et de se faire entendre jusque sur la glace? Oui, en effet. Alors au début, c'était un petit peu timide des 50 spectateurs qu'on était. Et c'est vrai que ça s'est décanté, les gens ont plus à commencer à,
à soutenir les joueurs et tout ça. Et puis après, à la fin, c'était l'explosion de joie de cette belle victoire qu'on a eue lundi soir. Des joueurs qu'on beaucoup apprécié, hein. On l'entendra tout à l'heure dans l'émission avec nos reportages et nos interviews. Toi, Samuel, comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de cet acte 4 sur le plan purement du jeu? Franchement, dans l'ensemble, c'était un super match. Le premier tiers, c'est vrai que c'était un peu serré, tout ça. Il suffit ce goal pour ouvrir un peu le jeu. Et c'est vrai qu'on a fait un super premier tiers. Après, le deuxième tiers, c'était un peu plus l'avantage à Fribourg. Mmh. Mais on a réussi à tenir bon Fribourg. Et puis après le troisième tiers, c'était juste super. Bon, c'est vrai que sur le premier tiers, on perd le Gauthier. Et c'est vrai que ça faisait bizarre. Mais après, j'ai trouvé Monzato très bon lundi soir. Il a fait de superbes arrêts, même si la défense a été impeccable pour protéger son gardien. Un gros travail de toute l'équipe, hein, lundi soir et même depuis le début de cette série. Et on se réjouit vraiment, on espère que le jeune Ferret pourra continuer ce soir, hein, j'imagine, à garder la même intensité et poursuivre sur cette lancée. Oui, j'espère que ça sera j'espère qu'on va faire ce quatrième point de la série pour qu'on se qualifie pour les demi-finales. Mmh. Et c'est vrai que s'il joue comme lundi, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes à se qualifier. Super, merci beaucoup pour ce rapide témoignage. Je vous le disais en début d'émission, nous avons des cadeaux à vous faire gagner. Samuel, tu vas pouvoir m'aider à les présenter. Oui, bien sûr. J'en profite pour remercier Guillaume et Loïc de la boutique du Genève Servette qui ce soir vous offre un Winter Pack composé d'un bonnet et d'une écharpe. Je te la confie. Merci Samuel. Un Winter Pack Genève Servette à remporter ce soir sur le live Twitch. Pour le gagner, rien de plus simple. Vous écrivez Winter Pack sur le chat, vous appuyez sur Enter. Normalement, ça s'affiche sur la droite de votre écran. Et à la fin du live, le tirage au sort aura lieu pour désigner le gagnant. Je les récupère. Merci beaucoup. Tac, c'est parfait. On compte sur vous. Winter Pack dans le chat. N'hésitez pas. Durant ces playoffs, vous avez l'habitude maintenant, notre vidéaste Bram est au cœur de la bulle et nous ramène des images absolument extraordinaires, exclusives, hein, du cœur du vestiaire et du cœur de l'équipe. Je vous propose tout de suite de découvrir ou redécouvrir, si vous ne l'avez pas vu sur nos réseaux hier, ce clip au cœur des playoffs présenté par notre partenaire Swissquote. On regarde. Never have a team figured out. The hardest win to get is the last one. It's always desperate hockey, and you see a lot of the tendencies on the other team, and what's working, what isn't. I think it's important for us to all be on the same page to make little plays to either exit the zone or forecheck, and as long as we're all thinking the same thing, it makes the game a lot easier for us. So we're constantly trying to talk things out and just make the game a little bit easier. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur Radio Lac, acte 4 de ces quarts de finale de playoff de National League. Tous les deux jours, maintenant, il n'y a plus cette pause du lundi comme il y avait précédemment. Nous sommes donc bien le lundi 19 avril en direct sur Radio Lac pour cet acte 4 de cette série que Genève Servette mène 2-1 face à Fribourg-Gotteron, un acte 4 qui s'annonce donc presque décisif puisque l'équipe qui s'impose pourrait prendre un ascendant moral sur l'autre et Genève Servette pourrait prendre 2 points d'avance. Peut-être l'intérêt pour Genève ce soir d'arriver à fond, d'essayer de bousculer, de ne pas laisser Fribourg reprendre la confiance et surtout de ne pas les laisser marquer ce premier but. Il y a 50 personnes qui sont revenues dans la patinoire, on voit des gens assis en VIP. Oui, ça fait bizarre de revoir des gens dans cette patinoire, 50 personnes. Alors c'est évidemment peu, mais 50 personnes, ça peut suffire dans des moments un peu chauds. Et en plus, il y en a qui sont derrière le banc du Genève Servette. Tout le monde a son masque, évidemment, on n'a pas le choix pour... Oui, puis c'est discipliné, ça fait plaisir à voir. Et des applaudissements, vous l'entendez derrière quand même de l'ambiance. Tout est prêt, l'acte 4 va débuter incessamment sous peu en direct sur Radio Lac. Genève Servette, Batlin, allez chercher ce troisième point, vous le saurez d'ici la fin de la rencontre. Ça, Tom Ernest sur Fer, sur sa droite. Avec Fer qui s'avance, qui laisse derrière lui pour en marche. Ça revient sur Tom Ernest, un tir de la gauche. Ouais, superbe ce point qui tombe bien à la Tom Ernest qui prend vraiment ses responsabilités.
intelligente d'ailleurs sur Chavaya, mais le puck reste une pointe. Alors Mike qui va récupérer son balle, alors Mike, face à la caméra, le but. Well, it's a huge game for us. You know, we still went in their rink and we want to keep home ice advantage. So we got to win our games and we were able to take care of it tonight. Obviously, super unfortunate that Gauthier went down. I'm not sure what happened with him, but Manzoc coming in and playing the way he did gave us a ton of confidence. He played super for us and, you know, he helped us win that game. You know, these are big moments for our team and for some of the players. You know, they're getting a little bit excited and we're just trying to make sure everybody stays calm. You know, you win a game, it's you know, just get ready for the next one. You lose the game, you get ready for the next one. I think that's the most important thing that we got to share with the young guys especially. Don't get too high, don't get too low. You know, to finish a team off, to send them home for the summer is always the hardest job. Encore des magnifiques images rapportées par Bram durant ces playoffs. On se réjouit déjà de découvrir le prochain numéro de cette série au cœur des playoffs présenté par Suscote. Ne manquez pas sa sortie demain en fin de journée sur nos réseaux sociaux. J'en parlais juste avant ce clip, un Winter Pack à gagner. Pour ce faire, rien de plus simple, dans le chat, vous écrivez Winter Pack, Enter, tirage au sort dans quelques minutes. Et tout de suite, j'ai le plaisir de retrouver notre correspondant en direct de la BCF Arena, Sébastien Tellet. Sébastien, première question, comment ça va? Bah, bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, ça va bien, on a fait bonne route, on a eu un peu de pli aujourd'hui, y compris sur la route, mais finalement ne dit-on pas qu'une journée qui éclabousse, c'est un peu la rosée d'une matinée de printemps, c'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée ici à la BCF Arena. J'en profiterai pour appeler Armand. Merci Sébastien pour cette introduction. Alors Sébastien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet acte 4? Il y a eu plusieurs choses de marquantes. Il y a eu évidemment la 6ème minute 58 quand tout Genève a retenu son souffle en voyant Gauthier Desclous sortir en larmes et rentrer Daniel Manzato. Daniel Manzato qui a fait un excellent travail devant les buts, qui a forcé la défense à être concentrée sur ses rebonds puisque Daniel Manzato a relâché plus de pucks que Gauthier Desclous. Mais la défense a fait le job. Il y a eu beaucoup de chance aussi quand même du côté de Genève Servette. Il faut être réaliste. Fribourg a été presque meilleur sur l'ensemble de la partie. 4-0, c'est un score qui est large si on regarde l'entier du match. Mais voilà, Genève Servette a su mettre les buts au fond. Genève Servette a su profiter de ses occasions. Et on sait qu'en play-off, c'est ce qui compte. On sait qu'en play-off, en 4 matchs, tout peut se passer. Demandez à Bienne et puis à Lugano qui est en train d'être surpris par Rapperswil. Donc voilà, l'acte 4 était plus en faveur de Fribourg. Mais le score de la série et le score final est largement en faveur de Genève Servette. Et voilà, ce sont les play-offs, c'est la magie du hockey. C'est exactement ça, la beauté du sport. Tu parlais justement de la performance de Daniel Manzato. Je vous propose justement de l'écouter puisque notre deuxième envoyé spécial au cœur de la bulle, Jeff Scarantino, est allé à sa rencontre hier matin après l'entraînement. On l'écoute tout de suite. Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite surprise, on va interviewer celui qui est rentré en cours de match et pour offrir une belle victoire, une belle performance au Genève Servette lors de l'acte 4. Je parle bien évidemment de Daniel Manzato. Bonjour à tous. Daniel Manzato, l'acte 4 a été gagné par le Genève Servette. Genève Servette qui mène 3-1 dans cette série. Tu as joué ce match après un fait de jeu inattendu. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ouais, c'est vrai que bah, pour moi, c'est un peu inattendu hein, de rentrer comme ça après quelques minutes de jeu, remplacer Gauthier qui doit sortir. Mais en même temps, bah, ça, voilà, j'ai pas eu vraiment le temps de cogiter. Les choses sont passées vraiment rapidement. Et puis voilà, je dois jouer, je rentre dans le match. Et puis tout de suite, l'équipe m'a vraiment aidé, m'a vraiment facilité le travail. Et puis l'avantage quand c'est une chose comme ça, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas le temps de penser. Tu arrives dans le match et puis tu sais que tu essayes de faire le mieux possible. Acte 4, acte tendu, mais pourtant tu fais un match superbe. Tu blanchis Gauthieron sur ton temps de jeu et Genève Servette qui du coup s'offre 3 pucks de match. Un match quand même qui restera dans ta mémoire. Ouais, c'est sûr. Et puis après, moi, la priorité, c'était vraiment d'essayer d'avoir le focus sur mon niveau de jeu et puis d'essayer de faire la meilleure performance possible sans trop justement penser aux résultats et puis au score final. Et puis en bout de ligne, je crois que toute l'équipe a vraiment joué un match de play-off avec beaucoup d'intensité. Et puis c'est comme ça qu'on a pu avoir une victoire en bout de ligne. Ce soir, c'est l'acte 5. Genève Servette a, comme on dit, un puck de match, une possibilité de clore cette série. Qu'est-ce que les Grenats vont devoir faire pour éviter de devoir jouer encore un autre match
face à Fribourg-Gotteron pendant ces playoffs. Ouais, je crois que la clé, ça va vraiment être sur le processus, hein, d'avoir justement, de ne pas trop penser aux résultats. Moi, c'est un petit peu la façon dont je vois les choses. Et puis si on joue de la bonne manière, on joue de la manière physique, on bloque les tirs, et puis avec une implication vraiment de chaque instant, on a vu quand on était impliqué autant dans la saison régulière que lors de ces playoffs, on a du succès. Et puis je crois qu'on doit vraiment mettre l'accent là-dessus, et puis toute l'équipe ensemble, et puis si on fait ces choses, il y a des bonnes choses qui vont nous arriver en bout de ligne. Une dernière question, on a vu qu'il y avait quelques fans qui ont pu revenir dans la patinoire. Ouais. Est-ce que ça t'a pas fait un peu bizarre d'entendre ces applaudissements et ces encouragements, même si j'étais que 50 ? Ah, moi j'ai adoré, je veux dire, mais on en a même parlé dans le vestiaire à la fin du match entre joueurs, on s'est dit mais il y en a bien plus que 50. Ils ont même apporté une énergie et puis il y avait cette énergie en plus et puis même s'ils sont que 50, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient derrière nous et puis c'était un énorme plaisir de revoir quelques personnes à la patinoire et puis on espère vraiment que ça va aller en s'améliorant, qu'il pourra y avoir de plus en plus de personnes qui viennent nous encourager. Voilà, de retour ici en direct du Primes avec notre duplex, notre consultant en direct de Fribourg, Sébastien Tellet. Sébastien, Daniel Manzato le disait dans son interview, il ne faut pas trop penser aux résultats, simplement continuer avec cette implication et à jouer notre jeu. On sent vraiment cette volonté de ne pas se mettre de pression supplémentaire. Ce soir, la pression, elle est sur les épaules de Fribourg-Gotteron. Oui, et puis on s'en a tous en souvenir cette demi-finale de 2010 ou ce quart de finale en 2010 où Fribourg menait 3-1 dans la série, avait déjà commencé à mettre en vente des billets, il me semble, pour la demi-finale contre Berne, et finalement Genève Servette était revenu à 3 partout et s'était qualifié ensuite. Donc il ne faut pas faire l'erreur. Daniel Manzato l'avait dit après le match, le plus dur c'est le quatrième point à aller chercher, et je pense que ça résume parfaitement l'état d'esprit que doivent avoir les joueurs ce soir sur la glace. C'est exactement ça. On va parler rapidement du line-up aussi avec une petite nouveauté ce soir. Un nouveau joueur qui va porter ce maillot jaune, c'est Tyler Meuil, un cinquième joueur genevois en 5 matchs. Ça montre vraiment que le danger peut venir de partout du côté de Genève Servette. Oui, ça montre que pendant ces playoffs, Genève Servette peut compter sur toutes ses lignes, parce que si on regarde Daniel Winnick et Linus Omar, ils n'ont pas encore le rendement offensif qu'ils avaient en saison régulière, ils font pas des mauvais matchs, mais c'est la ligne du coup avec déjà Vermin qui commence à marquer des goals, mais la ligne également avec Fer, Miranda et Meuil ce soir, Meuil top scorer. Personne n'aurait parié là-dessus, et je pense que c'est une très belle preuve que Genève Servette a la profondeur de banc que les gens craignaient ne pas avoir. Tyler Meuil, tu en parlais justement hier dans ton podcast 1905 avec Nico Pucha, que je vous invite chez vous à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Tyler Meuil, c'est un peu la révélation de ces playoffs. Bah, il est arrivé de Genève avec une mentalité de buteur. On nous a parlé d'un buteur au début de saison, c'était celui qui shootait le plus tout le temps. Et il n'arrivait pas à les mettre au fond, il le fait en playoff. Et quel meilleur moment pour commencer à réussir à marquer. On a découvert le revers de Tyler Meuil sur ses playoffs. Berra a découvert également le revers de Tyler Meuil sur ses playoffs. Et en plus de marquer des buts importants, il les marque de manière absolument splendide. C'est presque un joueur de calibre NHL qu'on a au niveau de la performance dans les goals. Ouais. Très bien. Et puis alors côté justement line-up, quelques changements avec Villamo qui revient sur la première ligne avec Winnick et Omark. Une ligne qu'on avait vue en fin de saison et en début de série aussi qui semble fonctionner. Alors Arnaud, je suis désolé, je dois vous laisser, je dois aller prendre l'antenne sur Radio Lac. Faisons comme ça, voilà, c'était un peu court niveau désolé, timing. Bonne soirée Arnaud. Merci Sébastien, bon match. Merci. Je vous le rappelle, hein, les matchs en direct sur Radio Lac 91.8. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de terminer notre duplex avec Sébastien Tellet. Pas de soucis, bon match Sébastien. Merci d'avoir été avec nous. Le tirage au sort, on me demandait sur le chat comment est-ce qu'on saurait, quand est-ce que le tirage au sort, quand est-ce qu'on saurait, qui a gagné. Le tirage au sort a été effectué et on m'a informé que c'est PC1717 qui a remporté ce soir le fameux Winter Pack de la boutique du Genève Servette. PC1717, bravo, félicitations, on vous contactera directement sur le chat de Twitch, en messagerie privée sur Twitch, je vais y arriver, pour organiser la remise du prix. Samuel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que tu penses pour ce soir quelque chose, un pronostic peut-être pour cette rencontre? À quoi, quel match, quel genre de match tu t'attends? Bah, je sens un match assez difficile parce que Fribourg n'a plus rien à perdre. Donc à mon avis là, ils vont tout mettre dans la bataille. Mais je vois quand même une victoire de Genève Servette. Je dirais 3-1 pour Genève Servette. On espère, hein, on croise les doigts, oui. On touche du bois, évidemment, on espère que les Grenats arriveront à maintenir le même rythme, hein, qu'ils ont réussi à imposer depuis le deuxième acte de cette série finalement, et puis à pouvoir remporter ce quatrième point qui est toujours le plus difficile à gagner. Hein. Ah oui, c'est sûr que le quatrième point, c'est tant qu'il n'y a pas le quatrième point dans la série, c'est pas gagné, mais je pense très fort que ce soir, ça va être le quatrième point. Super, merci infiniment Samuel d'avoir été avec nous.
La rencontre, je vous le rappelle, est à vivre en direct sur les réseaux sociaux du Genève Servette, sur Radio Lac, on l'a entendu rapidement avec Sébastien Tellet, Bande FM 91.8, évidemment sur MySports également ce soir. Merci à toute l'équipe technique d'avoir été avec moi ce soir. Je pense à Sophie Fazo à la réalisation, Valentin Pitard, Jérémy Rieser à la production. Merci évidemment à Stan et toutes ces équipes qui nous accueillent ici au Primes, qui, je vous le rappelle, est encore ouvert pour le takeaway à l'emporter et en livraison. N'hésitez pas, il est encore temps de vous commander votre burger pour la rencontre de ce soir. Merci à vous toutes et tous d'avoir été encore une fois très nombreux à nous suivre. Prochain rendez-vous sur la nouvelle chaîne Twitch Team Grenat. Demain déjà, prise d'antenne 17h20 avec le live d'avant-match du Servette Football Club, l'avant-match du Derby du Rhône. Ne manquez pas ce rendez-vous sur Twitch. Nous, concernant le Genève Servette, on se retrouve très vite, mais on espère pas avant la semaine prochaine. A très bientôt, bonne soirée, bon match, ciao ciao.